C'est par une messe d'action de grâce dite à la Nonciature apostolique du Saint-Siège à Brazzaville que la communauté équato-guinéenne résidant à Brazzaville a célébré de manière solennelle, sous l'autorité de son Excellence Samuel Ateba Ono Iyanga, ambassadeur de Guinée équatoriale en République du Congo, le 54e anniversaire de l'accession de la République de Guinée équatoriale à l'indépendance, proclamée officiellement le 12 octobre 1968. Ont rehaussé de leur présence cette célébration en République du Congo, les ambassadeurs de la Namibie et du Venezuela, une façon pour eux de témoigner leur lien d'amitié. C'est le jour vraiment qu'on a vu le jour, parce qu'on a passé plus de 200 ans de colonialisme. Et donc, c'est pour cela qu'on s'arrive sur cette date. On est très joyeux. Je vous remercie, l'ambassadeur de Venezuela, l'ambassadeur de Namibie, pour votre présence pour cette journée qu'on a fêté aujourd'hui. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est autour d'un repas qu'a été sanctionnée cette célébration en présence de plusieurs invités et des collaborateurs.